Les archéologues n'hésitent pas à parler de mini-Pompéi pour évoquer le site découvert près de Vienne, en Isère, un quartier gallo-romain avec des mosaïques encore bien préservées, du jamais vu en France depuis une quarantaine d'années. Alors les équipes travaillent sans relâche car à la fin de l'année, des immeubles neufs vont recouvrir toutes les fouilles. Bernard Aparis, Jean-Michel Mier. Voyage au fil du Rhône pour remonter le temps à Sainte-Colombe. Face à Vienne, dans un méandre du fleuve, un site archéologique exceptionnel, une petite Pompéi, avec ses villas, ses ateliers, ses marchés, révèle les secrets enfouis depuis 2000 ans. L'un des trésors est au cœur de cette villa romaine. Entouré d'éphèbes, de danseuses et autres satyres, le dieu Bacchus, qui abreuve de vin sa panthère, pourrait nous raconter les dernières festivités du lieu. La finesse du dieu Bacchus en face, avec son regard sévère, traité avec des petites pierres qui font moins d'un millimètre de côté, c'est tout à fait exceptionnel. C'est la pièce principale de la maison, on est dans la salle à manger de la maison, le lieu où le maître de maison recevait donc ses invités pour des grands banquets. Il faut préserver ce témoignage qui a traversé le temps, moment magique et délicat de la dépose. Après avoir chauffé la mosaïque, une première gaze est collée pour unifier l'ensemble, puis une toile de jute consolide le tout, avant de s'attaquer au socle, puis de la retourner, sans hésiter. Viens, 1, 2, 3. La mosaïque n'a pas bougé, tout l'ensemble de la mosaïque est bien collé à la toile. Le Bacchus est sauvé. Pour le moment, il va pouvoir aller dormir tranquillement, sans risquer plus grand-chose des aléas du temps. Le dieu de la fête et du vin a rejoint une vingtaine de mosaïques, déjà sauvées et en attente de restauration. Depuis le mois d'avril, les archéologues travaillent sans relâche. Les vestiges variés de ce faubourg s'étendent sur 7000 m² et couvrent une période de 8 siècles. C'est très étroit et ça a l'air très profond. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué d'arriver jusqu'au fond, mais ça va se faire. Parfois, au bout de l'effort, la surprise est là, comme ce réseau d'alimentation en eau d'une villa du 2e siècle. Incroyable trouvaille qui nous est parvenue presque intacte et montre toute la modernité de l'époque. C'est un réseau d'adduction qui est fabriqué à partir de tuyaux en plomb, des tuyaux qui font à peu près 3 mètres de long, qui sont réalisés à partir d'une feuille de plomb qu'on vient replier et sceller, qui sont soudés entre eux, donc avec des gaines. Et à cet emplacement, on a quelque chose de très rare. Dans l'Antiquité, on a un robinet qui permet donc de diviser le réseau. Et le plombier, fier de son travail, a même signé son œuvre. Les boutiques qui longeaient la voie romaine reliant Arles à Lyon sont elles aussi méticuleusement fouillées à la recherche de quelques émotions. Les choses sont tellement bien conservées que du coup, effectivement, ça peut être très émouvant. Et c'est devoir faire preuve de beaucoup de délicatesse pour pouvoir sortir ces vestiges tout en les conservant. Et oui, donc effectivement, c'est très sympa. Chaque jour, les trésors déterrés sont rassemblés dans cet atelier. Plus de 1000 pièces sont stockées pour inventaire. Quelques-unes attirent l'œil, comme ce javelot d'un légionnaire romain. On pense qu'il s'agit d'un vétéran qui s'est installé sur le site de Sainte-Colombe et qui a conservé son mobilier militaire. D'autres objets nous racontent aussi le quotidien de l'époque. 150 pièces de monnaie, une aiguille en os, une lampe à huile en terre cuite, et même les moules d'un atelier de fausse monnaie. La moisson est déjà fabuleuse, mais le compte à rebours est lancé. Les fouilles doivent s'arrêter au mois de décembre pour laisser la place à la construction d'immeubles et à l'arrivée de nouveaux habitants.